Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de survie du week-end. Pourquoi on est penché? Ah oui, c'est parce qu'on est dans la grotte, ok, ça marche. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Au moment où je fais la vidéo, c'est vrai que j'avais pas vu cette petite partie de la mise à jour, de la partie 4. La partie 4 est arrivée en fait avec bien sûr les informations de la partie 4, les nouveautés. Et elle est arrivée aussi avec vers le bas. C'est en gros les petites choses écrites en très petit qu'il faut toujours lire. Des known issues, donc des problèmes qui sont connus avec cette mise à jour. Et il y en a une, c'est vrai que j'y avais pas pensé, et les gens ont commencé à en parler, du coup c'est vrai que ça m'a rappelé ça. Les ours, il y a un problème avec les ours. Les ours apparemment ne réapparaîtraient pas dans certaines zones, une fois qu'ils sont tués. J'ai l'impression qu'on a ce problème là ici, parce qu'on n'a pas vu d'ours revenir. J'ai même l'impression qu'on a un problème aussi avec les cerfs, parce que les cerfs on en a trouvé deux, donc un ici et un là, je crois bien, et on les a pas revus en fait depuis. Enfin, bon, celui-là non, on n'y est pas retourné, donc à la limite oui. Mais là on a strictement rien vu, et honnêtement ça fait quand même plusieurs jours. Donc je suis un peu en fait inquiet pour ce qui est de la nourriture. Je vais être honnête, je pense... on va boire ça. Ouais, on va boire ça. Je pense qu'on a un problème avec l'apparition des créatures. Et on va avoir un problème avec la viande, la nourriture en fait. On va laisser ça là, on va prendre ça. On a des torches. On n'a pas beaucoup de torches. On va prendre quelques torches. Donc, ce qu'on va faire... Je sais pas si ça vaut le coup de garder le feu allumé, en fait. Je vais être honnête, j'en sais rien. Enfin, c'est pas grave, on va juste avancer. On va redescendre, on va prendre le plus de massettes possible. Parce que j'ai vrai... On a encore une aurore boréale apparemment. Super. Mais je vais être honnête, je pense qu'on a un problème avec l'apparition des animaux. Oh, pardon. Donc heureux que j'ai plusieurs façons d'allumer les feux, comme ça, ça m'évite de gaspiller une allumette. Ouais, c'est bon. Donc ouais, ça c'est un gros problème qu'on a. J'ai vraiment l'impression que... Ça. J'ai vraiment l'impression qu'on a un problème d'animaux. On a trouvé très peu de lapins aussi. Là c'est censé être un bosquet à lapins quand même. Ça m'a pas vraiment l'air d'être un bosquet à lapins. On a l'air d'être genre il y a un lapin qui se baladait, c'est tout. On va descendre, on va refaire le tour vite fait. On va prendre toutes les massettes, tous les champignons qu'il y a, tout ce qu'il y a, et on se casse. Donc ouais, j'ai peur qu'on ait un problème par rapport à ça. Donc ce que je vais faire au cas où, si jamais on a un vrai problème de nourriture, on va devoir partir. On va tout simplement devoir partir. Parce qu'on va pas pouvoir vivre avec des massettes, quoi. Alors la chose qu'on pourrait faire, et ça je pense que je vais le faire en genre entre deux vidéos peut-être, c'est... prendre cette grotte là, parce que si on reprend l'endroit par l'endroit où on est venu, en fait le chemin qui fait la liaison, en fait le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment d'animaux de l'autre côté, il n'y a que quelques lapins je crois et c'est tout, donc c'est pas vraiment quelque chose qui est bon pour manger. Par contre à l'aéroport on se rappelle que il y a pas mal de choses à l'aéroport. Il y a des cerfs, il y a beaucoup de cerfs en plus. Et tout ça. Donc, je pense qu'on va partir à l'aéroport bientôt. Mais il y a aussi le floor 1 de la mine à refaire, à revisiter. Donc, je voudrais faire ça aussi.
Mais ouais, on commence à être en situation critique en fait pour la nourriture. Et encore, situation critique, c'est un peu exagéré, mais... Il faut, comment dire, penser en avant, sinon on va vraiment avoir des problèmes. J'ai pas envie de perdre mon bonus de poids, j'ai pas envie de me retrouver vraiment à court de choses. Donc ouais... Il y a une partie sur la droite. Genre là-haut. Mais à 44k. 50, ok. Donc voilà, ça c'est... C'est un fait intéressant en fait à prendre en compte. Waouh, c'est joli comme ça. Là-bas, il y a quoi? Des barbes. Si jamais... On va reprendre exactement le même chemin, je pense, qu'on avait pris pour revenir. Donc en théorie, on est sur le chemin d'un ours et d'un cerf. Si jamais on rencontre strictement rien, c'est qu'on a un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on récupère tout ce qu'il y a. Les champignons à gauche, je viens de voir. On va avoir un jumpscare dans pas longtemps. Putain. J'en étais sûr. On peut en continuer à monter quand même, parce que je suis un peu curieux, parce que là on dirait quand même qu'il y a vraiment quelque chose en fait. C'est méga profond là! Surplomb suspect. Attendez, faut qu'on se soigne. Si jamais on tombe, on doit utiliser notre arc, on va pas pouvoir. Ok. Oh, pardon, excusez-moi, je vais pas mettre pause. Du coup, on va en profiter, on va faire ça. Où est-ce que ça va? Oh, c'est pas un hélicoptère ça? Oh, so cold. Non, non, peut-être pas. Je sais pas, parce que dans ma tête, j'ai toujours le fait que apparemment il y aurait deux hélicoptères. Il y aurait deux crashs. Enfin, on va pas dire deux hélicoptères, on va dire deux crashs. On sait pas ce que c'est l'autre. Peut-être un avion. Ou autre chose. Un ovni, peut-être un ovni. Donc on va voir un peu ce que ça nous donne. On va peut-être boire un thé là pour se réchauffer et pour se remettre de la vie. Parce qu'on est quand même vachement loin. Donc...
Peut-être là, il y a un truc. Où est-ce qu'on va, là? Il y a intérêt d'avoir une récompense, hein, parce que c'est méga... Je pensais pas que la région, en fait, elle est aussi loin. Qu'est-ce que c'est que... Mais c'est encore plus en plus grand. Où est-ce qu'on est? Ou alors, c'est moi qui arrive mal à juger la taille. Peut-être. Ah, c'est pas l'endroit qu'on voyait en contrebas depuis les hauteurs, là. Putain, faudrait qu'on puisse se réchauffer, cartographier et tout ça. Là. On va peut-être faire du feu. C'est quoi ça? C'est des constructions humaines? Ah, même, c'est un train? C'est pas le train de début de région, quand même. Où est-ce qu'on est, là? S'il n'y a pas de marron, c'est ça. C'est le dé... Attends. De marron, de... De gland. Où est-ce qu'on est? Mais si, c'est ça, on a fait le tour. Oh, intéressant. Par contre, j'entendais l'eau. Ouais. Bizarre qu'ils aient peur comme ça. Je ne comprends pas comment ils fonctionnent, en fait. On va voir s'il n'y a pas un abri ici. Et si je me rappelle bien, on est vaguement allé là, la toute première fois qu'on est venu, juste pour prendre les glands. Mais peut-être qu'il y avait un abri que j'ai pas vu. Apparemment. Du coup, il n'y a pas d'abri ici, non? Je sais pas où me mettre. Je sais pas du tout où me mettre. Bon, bah on est sur la route principale, quoi. Intéressant. La toxicité, ça commence là-bas, hein, je crois. Hein. Ça, c'est la sortie. C'est bien parce que tout ce que j'ai dit, c'est quelque chose que je suis en train de faire. Quoi. Je vous avais dit, vous savez, la zone là où qui fait le transfert et tout ça, là, bah, y a pas d'animaux à chasser vraiment. Donc c'est une mauvaise zone. Ben là on y est, ça y est, on est revenu là, c'est bien. C'est bête qu'il n'y ait pas de loup ici, c'est vraiment bête. Il n'y a que des fois des lapins je crois, c'est tout. Bon, du coup on va en profiter. Hein. On va aller se reposer là-bas. Va se reposer. Voilà, très bien. Je crois qu'on avait dessiné ça, hein, ce que je... Ouais, ça...
Bon, ben, on a un peu l'impression de d'avoir fait un. Un peu un retour en arrière là. Mais bon, ça arrive. Alors. Résultat, ben, c'est qu'on n'a pas grand chose. Par contre, on a quelques trucs. En fait, il faut qu'on voit si j'ai assez. Ouais, ça devrait aller. On a pas mal de massettes. On va manger des massettes. On va préparer tout ce qu'on a. On va perdre un peu de temps parce qu'il fait. On est encore en plein milieu de la nuit. On n'est pas extrêmement fatigué non plus. On a des glands à préparer. Je crois qu'on avait récupéré des glands, une portion de glands. Je sais pas si je l'ai sur moi. Je sais plus. Je crois que je l'ai. Ah non, c'est bon, je l'ai. Donc ça aussi, on peut le faire cuire à la limite. Ça, c'est bien. Ça, on peut le préparer. Ça, je l'avais pas. Enfin, si, je l'avais montré quand c'était sorti. Mais j'en avais reparlé après, récemment. Donc, c'est ici. Et vous voyez, ça fait 275 de calories. Pour 0,15. C'est pas mal. Hein. C'est pas si mal. Je vais boire un coup, moi, par contre. Donc ouais, c'est intéressant de le garder en tant que qu'aliment. Mais le problème c'est que même comme ça, alors que techniquement la manger vous donne aucun bénéfice de soin, c'est quand même dans les premiers secours. Ça devrait pas être dans le premier, ça devrait être dans la nourriture. Ouais, ça devrait être dans la nourriture. Après, quand vous le transformez en tisane, là, ça fait le même effet que le reishi ou l'autre, là, je sais plus. Là, après, ça devrait se mettre là. Enfin, c'est pas très grave, mais c'est juste des petites choses que j'ai remarquées. On n'a pas vraiment besoin de faire un feu maintenant. On va tout simplement dormir. Bah, quoique, on est chaud là. À la limite, avant de dormir, on peut peut-être faire un tour vite fait, voir s'il y a quelque chose. Mais en théorie, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien à récupérer. On avait bien ratissé la zone. On n'est pas extrêmement fatigué en fait. Donc, on pourrait faire encore un petit tour. Il n'y a toujours pas eu de mise à jour fixe pour le moment. Parce que bon, le jeu a des petits problèmes depuis la mise à jour. C'est pas énorme encore une fois, mais. On va dire que ça peut poser problème là, le fait que par exemple les ours par exemple ne réapparaissent pas, ça c'est un problème. Ça. Et oh, pourquoi tu t'arrêtes d'avant? Ah, c'est le vent. Mais... Parce que ça fait quand même beaucoup de nourriture, hein, ours, hein. C'est plus de 30 kg de viande, donc se perdre ça, c'est quand même triste. Putain, c'est bête qu'il n'y ait pas de loup ici. Ah là là, c'est vraiment, vraiment bête. J'ai l'impression que c'est fait exprès, mais... Ça pourrait tellement résoudre tous nos problèmes, cette région. Genre, si on a besoin de nourriture, on vient là, on chasse 2-3 trucs et on se casse. Parce que honnêtement, pour y aller, en plus c'est pas très dur, et en plus on peut faire tout
absolument tout le chemin avec, avec le travois. J'ai cru entendre quelque chose marcher, mais... Il est venu là. Ah, mais je les ai déjà préparés. Deux. On va laisser ça là. Donc, techniquement on n'en a pas besoin et du coup ça fait deux peaux de lapin, deux boyaux séchés. J'en ai pris une de peau de lapin. Donc du coup si jamais on se passe par là et qu'on doit réparer nos vêtements, on peut... Enfin nos deux vêtements. Allez, on va rentrer. Si j'avais eu mon sac, on aurait dormi dans la grotte, mais je l'ai posé comme un idiot. Ne jamais se séparer de son sac de couchage. Jamais. Très bien. Quand on va se réveiller, on va essayer d'aller voir. Je crois que les lapins ils sont dans cette direction. On va essayer d'en chasser quelques-uns. Ouais, on va essayer d'en chasser quelques-uns, si on peut en revenir avec genre 2-3 proies, ça serait quand même bien. Ah, c'est long de manger des tiges de macette. J'ai l'impression d'être à l'époque de Dark Souls 1 où on pouvait utiliser les âmes, vous savez, mais il n'y avait pas d'option pour utiliser genre 10 âmes en même temps. Des trucs comme ça. Ah, c'était la bonne époque où vous deviez le mettre en raccourci en fait pour aller plus vite et vous spammer la touche pour utiliser les objets. Ah la vache, quelle époque. C'est genre il y a 10 ans. Hein. Ben voilà, fait beau en plus. Typiquement ça on n'en a pas vraiment besoin. Oui non en fait on a vraiment pas besoin. Je vais les laisser là les bois là. Pourquoi pas les laisser là, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on en a plein. On a vraiment des tonnes. Je crois une dizaine là-haut. Et pour faire des arcs, on n'en a pas vraiment besoin. On a toujours notre premier arc. Mais c'est vrai que là, de laisser un truc comme ça, ça peut être intéressant. Ici. Donc, lapin. Alors, je pense qu'ils sont sur le côté gauche. Je vais juste voir le côté droit s'il n'y a pas quelque chose qui traîne.
Ça, c'est des oiseaux, ça. Là. Si on peut en attraper quelques-uns. Ok, mode chat. On se met en mode chat. J'en vois un déjà. Ils sont où exactement? Sur la droite ou sur la gauche? Je crois qu'ils sont sur la droite. Ok, là ça devrait être pas mal. Ok, pas mal. 3 sur 4. Not sure I can carry much more. 3 sur 4, c'est très potable. Ouais, 3 sur 4, c'est potable. Ça va, je suis content. De toute façon, les deux du centre, là, ils étaient vraiment proches l'un de l'autre. Bon, par contre, c'est comme des lapins. Il y a pas grand-chose à manger dessus. Peut-être 1 kilo. Grand max. Non, bon. Mais bon, c'est déjà ça. Alors maintenant, c'est au tour des lapins. Ça, par contre, c'est vrai que c'est bien. Les oiseaux, j'en avais jamais vraiment pensé comme ça. Mais c'est vrai que ça rajoute une source de nourriture. C'est vrai que j'avais pas pensé ça, à ça comme ça. Où les lapins? Là en face, yes. Il y a des massettes? Non. Tiens, pour les gens qui utilisent toujours des armes à feu, ça doit être méga chiant à chasser des trucs parce que vous pouvez pas tuer plusieurs oiseaux en même temps avec une arme à feu. Wow. La flèche elle a fait que rebondir. On est à 53. Ça devrait aller. Peut-être qu'on pourrait faire un feu. Histoire de les dépecer et tout ça. Ça fera moins lourd. Ouais, et comme ça on se réchauffe. Parce qu'on va devoir combattre... Quoi qu'on va devoir combattre des... Ou alors on rentre et on trace. Je sais pas. Ça en est vachement lourd. J'aimerais bien utiliser le travois en fait. Vu qu'elle enlève l'arc, est-ce qu'elle est en train de décocher une des flèches qui est utilisée ou pas? Parce que moi, la plupart du temps, je range l'arc et je le ressors automatiquement. Mais après, ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment testé. Genre, est-ce qu'elle met une flèche usée automatiquement quand elle check un cadavre ou pas? Moi, je fais toujours comme ça. Et après, je ressors. Ah, on va avoir du vent. On va devoir faire un feu.
ça sent... Ça sent le blizzard, ça. Ça va. On a du matos. Dès qu'on entend des oiseaux, il faut absolument qu'on aille les chasser en fait. Attends, je veux voir s'il y a un loup qui traîne là ou pas. J'ai l'impression que là il y a des oiseaux. J'entends. Comment on dit, cacter? Enfin, c'est les poules qui cactent, mais on dirait qu'ils. On dirait des poules les machins. Est-ce que là le feu il serait protégé ou pas? Non, pas vraiment. On le fait ici. Si, c'est pas mal. Pas mal. De toute façon, on va tous le mettre. Il fait pas très froid en fait quand on est protégé du vent. Ok, très bien. Alors, ils font un kilo. Il y a combien? Ouais, il y a à peu près ouais, un kilo de viande. Alors, on va dire que c'est pas si mal. Hein. On va prendre ça, on va les mettre de côté. On va déposer ça. Ok, très bien. En train de me prendre un peu la tête, mais j'essaye d'avoir une vue en fait sur ce qui se passe et en même temps avoir de l'espace en dessous de moi là pour poser les ce que je vais couper là. Déjà, on peut prendre ça. Il paraît qu'il y a des exploitations à faire avec les animations. Genre. Tomber d'une hauteur et sortir un lapin en fait de l'inventaire en se mettant en animation et apparemment on est invincible. Je crois que ça c'est du coup le même système que j'avais montré. Genre si vous êtes en animation de... Attendez. Okay, très bien. Si vous êtes en animation de couper les boyaux, de la viande et tout ça, ce qui se passe c'est que vous pouvez pas, vous perdez pas de vie.
Donc je pense que c'est fait exprès. Enfin, c'est fait exprès, c'est le même la même exploitation en fait. J'imagine plus ou moins. Bon, le vent s'est calmé en fait, c'est cool. Faut qu'on aille voir s'il n'y a pas d'autres animaux là, des oiseaux. Par contre, c'est un truc qu'ils ont jamais changé, je crois que c'est pour récupérer les plumes. Ah, bah tiens, un truc qui est tout bête, tout con, maintenant je l'ai fait avec mes trois oiseaux, j'aurais dû le montrer pour être sûr. Mais maintenant je les ai ouverts. Mais apparemment, du coup, avec le nouveau changement là, de vous pouvez pas utiliser vos mains à condition que ça soit ouvert, vous pouvez même pas récupérer le duvet en fait avec vos mains. Il faut absolument avoir un outil. Donc, ouais, je trouve qu'ils ont un peu merdé, là, sur ce coup-là, quand même. Ils ont quand même un tout petit peu merdé, hein. Alors, je vais aller explorer, vite fait, s'il n'y a pas des oiseaux. Donc, on met du... Ah, je vais me brûler si je passe par là. Donc on met de l'eau, comme ça si on perd l'eau c'est pas grave. Mais si on perd de la viande c'est plus embêtant. Donc je vais aller juste explorer s'il y a des oiseaux ou pas. J'ai cru entendre des cotes-cotes. Tiens, un truc qu'ils pourraient faire aussi, en compétences comme d'habitude, hein, on en revient toujours au même, j'aime bien parler de compétences qui pourraient être genre vachement utiles au jeu. Genre une compétence de tracker par exemple. Ou plus vous passez du temps à l'extérieur ou à chasser par exemple, plus vous augmentez une habilité de détecter en fait les animaux à proximité ou assez loin. Genre par exemple on les entend de plus loin, ou on les sentait venir, ou des trucs comme ça. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être sympa. Après c'est peut-être un peu trop, hein, mais... Encore une fois, j'ai une petite idée de... Non putain, super, je vais me péter une jambe encore. Mais ouais, un truc comme ça, ça pourrait être sympa. Nous on va faire ligne droite dans le poison, c'est pas grave. Non, après il y avait du vent, donc peut-être qu'ils sont partis. Hein. Les oiseaux, hein. Peut-être qu'ils sont partis. Je deviens fou.
Bon, on a enlevé toute la nourriture, ça va. Pour les plumes, je sais, je pense que je le ferai, mais pas maintenant, parce que ça prend trop de temps. Insomnie guérie. On avait de l'insomnie? J'ai même pas fait gaffe. J'avais même pas fait attention qu'on avait de l'insomnie. Alors je sais qu'on pourrait faire de la cuisine avec ça, mais normalement ils sont tout légers. Ouais, ils sont tout légers, ça va. Ouais, je les ai cuits. Je sais qu'on aurait pu faire un truc intéressant, mais ce que je voudrais faire en fait, ce serait des pancakes au gland, c'est vachement bien. Ou alors à la limite, ce serait la tourte du tracker. De tracker, c'est pas mal. Mais on n'a pas de marteau, on peut pas broyer. Ça c'est un truc, bah tiens, je suis en train d'y penser à ça aussi. On n'a pas trouvé un seul marteau. Pourtant on a trouvé des outils quand même, hein, mais on n'a pas trouvé un seul marteau, ça m'embête. Et le bouillon, je peux pas en faire parce qu'il est encore buggé pour le moment. Donc même si on a trouvé du sel, je vais pas garder les oiseaux indéfiniment, quoi. Mais ouais, tiens, ça c'est un truc... pour le moment... Ah oui, tiens, c'est ça que je vais faire. C'est vrai que c'est embêtant de ne pas avoir trouvé de marteau. Ça m'embête, ça. Bon, on va y aller. Ou alors on dort peut-être une petite heure. Avant d'y aller. Dormir 2 heures. Ok, bon, bah on va faire chemin, ligne droite à la base. Ce qu'on fera pour l'épisode prochain, parce que bon, avec là, ce qu'on a récupéré, ça peut nous faire durer un petit moment. Enfin, un petit moment. Une journée, quoi. Ah. Ce qu'on va faire, c'est... Ah, ça va. On a bien fait de... Vous voyez, on a bien fait de tout enlever, là, la viande et tout ça. C'est cool. Ce qu'on va faire, c'est... on retourne à la mine. On retourne dans les mines. Floor 1. Non, floor... Si, si, floor 1. Comme j'ai dit. Et on va voir un peu ce qu'il y a. Parce qu'il y a un endroit que j'ai pas vraiment fouillé, apparemment. Donc on va faire ça pour l'épisode prochain, je pense. Du coup, on restera en intérieur, donc c'est cool. Yeah, this pack is getting kinda heavy. Allez, c'est parti. Donc ouais, on fera ça. On fera ça, c'est une bonne chose à faire.
ligne droite. Et là, on peut utiliser le masque hein, pour pas être empoisonné. Putain, il y a des idées. Ouais, on s'en fout de la torche. Vas-y, fais-la. Sors mon arc. Ouais, il reste en bande. Enfin, non, il reste 3. Ah ouais, il nous flaire de loin. Il trottine souvent, j'ai remarqué, vous voyez. Maintenant, il change de direction. Et là, j'ai l'impression qu'il vient vers moi. Ah ouais, il nous flaire de méga loin, de extrêmement loin. C'est pour ça que les gens, ils paniquent, en fait. Et il trottine, donc techniquement, il va plus vite que moi, je crois. Ah, il grossit, oui, je pense qu'il va beaucoup plus vite que moi. Oui, ah oui, nettement. Ah ouais, c'est marrant, ils ont changé quelques petits trucs et ça les rend super dangereux, c'est intéressant d'avoir fait ça. Fosse du signaleur. Ah, ça, je crois qu'il m'a lâché. On n'est jamais là, allez là. Il va passer là ou pas? Allez, vas-y, ramène-toi parce que... C'était un peu chaud parce qu'il allait en biais, ce salaud. Il bifurquait un peu sur la droite et tout. Saloperie. C'est ça la fosse du signaleur? Après on sent la viande. On va passer les maisons. Ah oui, mais il y a du toxique aussi ici. Encore une fois, la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont à aller en diagonale, là? Pas de champignons supplémentaires. Bon, ben on va rentrer doucement. Ouais, comme j'ai dit, prochaine fois on va dans les mines. Après, est-ce qu'on a fait tous les gros endroits là? Je pense qu'honnêtement, on a fait tous les gros endroits de la région. Je vais être franc. Après, on est allé. Donc là, il y avait des petites maisons là. On avait fait ça. Je me rappelle. On a fait la mine de devant. Enfin, quoique. J'avoue que la mine, l'entrée de la mine là qui est de l'autre côté là dans le ravin là, je sais pas comment on appelle ça. On y allait qu'une seule fois et on courait parce qu'on voulait se mettre à l'abri. Ça par exemple on l'a fait ça. Ça on l'a fait. Mais on s'était mis à l'abri dans la mine, on l'a fait qu'une seule fois parce que c'était en plein brouillard électrique en plus. Donc on n'a pas vu grand chose.
Et on a plus ou moins tracé parce que il y avait l'insomnie qui nous tapait dessus, il y avait le poison qui nous tapait dessus. Donc c'était un peu compliqué. Je me rappelle qu'on a fait ça. Donc peut-être qu'il y a des bâtiments qu'on n'a pas vus. C'est possible. À la limite, ce que je ferais, c'est... j'irai voir entre deux épisodes. Voir s'il y a des trucs intéressants. Si je vois des choses, des bâtiments et tout ça, ou des choses à aller inspecter, on le fera. Mais je pense que le prochain épisode, ce sera sur la mine, le floor 1, là. Il y a au moins un tournant qu'on n'a pas fait, je pense. Il y a au moins une ou deux galeries à faire. Donc je voudrais le faire. Et après, bah, du coup, j'aviserai sur ce qu'on vraiment va faire pour le reste. Où on reste ici, où on s'en va. Alors techniquement, on a fini, hein, on a tout fini ici, faut l'avouer. On a fait absolument tout. On a fait l'histoire et tout, on a récupéré tous les objets intéressants, on a tout le nouveau matos et tout. Donc techniquement, on peut partir sans trop de problèmes. Et on peut faire un choix sur quoi prendre avec nous et tout. Et après, moi, ce que je voudrais faire... Faut que je me fasse une liste. Parce que ça, je veux bien refaire un peu le tour des zones. Ça serait récupérer les gourdes. Et faire une collection de gourdes, en fait. Les gourdes isothermes. Donc ça, je suis pour ça. Ça, je suis complètement pour. Toi, ça me dérange pas de refaire les zones, en fait. On peut garder ça sur nous, c'est pas vraiment important. Je sais pas ce qu'on va ramener. Je pense qu'on va ramener les choses, en fait, pour faire la cuisine. Genre les sirops d'érable, ça peut être intéressant. Les soupes de tomates, ça peut être intéressant pour mettre dans les gourdes. La lampe torche, je pense que je vais la reprendre avec moi. Les jerrycans, honnêtement, on en a déjà genre 4 en... On va les laisser là, ces jerrycans, je crois. Putain, je sais pas quoi prendre, oh là là. Tous les légumes. On a tellement de choses. Je sais pas, tout... Alors, les patates, les carottes et tout ça, oui, il faut prendre. Ça, je pense qu'on en a pas besoin. Ah non, les bois, je les ai laissés, c'est vrai. Ça. Ça. Très bien. La ceinture, je pense qu'on va la prendre avec nous. On va peut-être la garder avec nous. Ah, le gilet pare-balles, faudrait le reprendre. Le masque à gaz, bon, le masque à gaz, on est obligé de le garder avec nous, de toute façon. Je pense qu'on devrait prendre des filtres avec nous, si jamais on doit aller quelque part. Peut-être pas tout, mais ouais. Après, les vêtements de mineurs, je sais pas si ça vaut le coup de les prendre avec nous, à la limite. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont casser, quoi. Ils sont voués à casser, les bottes, pareil, les bottes. Est-ce que ça vaut le coup de les prendre avec nous, les bottes? Pour être honnête, est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez, va falloir faire un choix, en fait, pour revenir au lac Mystère. Parce que le lac Mystère, encore une fois, pourquoi j'aime beaucoup le lac Mystère? Parce que c'est un endroit au centre, hein, encore une fois. C'est toujours la même raison, c'est ça. C'est que le lac Mystère... On peut pas aller sur la région normale. Le lac Mystère, il est toujours genre au centre et on peut aller partout. On peut aller partout et c'est une zone qui est extrêmement facile. On peut chasser des... Il y a des ours, il y a des cerfs, il y a des loups partout, il y a de la pêche. Parce que la pêche, c'est pas à n'importe quel endroit qu'on peut pêcher. Enfin, même maintenant, on peut pêcher à plus d'endroits, mais c'est pas partout. Donc c'est pour ça que ça reste mon endroit favori, en fait. Et ça restera mon camp principal pour toujours. Mais du coup, qu'est-ce qu'on ramène, quoi? Qu'est-ce qu'on ramène? En tout cas, on fera le choix. On fera le choix à un moment ou à un autre. Comme j'ai dit, la prochaine fois, je pense qu'on va aller dans les mines.
floor 1, faire un dernier ratissage et tout ça, ce sera notre prochain épisode, et après on avisera ce qu'on fait. Je pense qu'on ira à la poursuite des gourdes perdues. La poursuite des gourdes perdues, c'est pas mal ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.